Salut les riders et les rideuses, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous voici aujourd'hui pour le test comparatif de la E2 Monster V et de la Outsider de chez Secotec. Donc les deux, c'est une base de 700 watts maxi, bien évidemment, soit 350 watts nominal. On est sur des plus gros pneus, ils sont beaucoup plus grands que celles de la E2, donc ça c'est pas mal du tout. Ce que j'adore chez la Outsider, c'est que c'est la seule trotte, les gars, en petite gamme, et même voire sur des gammes de dual tronc qu'on n'a même pas sur des tarifs à 3000 euros, c'est qu'elle a des pneus en tubeless. Alors ça, ça m'a fait halluciner. Vous avez la petite valve ici, vous voyez, ces pneus en tubeless, c'est vraiment son point fort. Le point fort de la Outsider, c'est ça et sa batterie complètement changeable, c'est-à-dire qu'on peut en acheter deux. Ça, franchement, c'est le kiff total. Ensuite, sur le prix, toujours pareil, c'est hallucinant. On est sur du 350 euros sur la Outsider et on est sur du 650 euros sur la E2 Monster. Donc, le double aussi. Donc, niveau esthétique, elle ressemble énormément à la Ninebot S1 ou alors la Xiaomi avec le disque arrière pareil et tout. Je dirais que c'est comme une Xiaomi, mais quand même bien plus abouti, avec un compteur comme la Xiaomi Pro la Ninebot S1. Je la trouve aussi quand même un produit plus abouti, et vous allez voir pourquoi, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc je vous dis à tout de suite pour le test. Ensuite, les batteries, c'est tout pareil, c'est du 7,5 ampères, c'est du 36 volts comme toutes les Ninebot, les Xiaomi, les E2. On est sur les mêmes perfs, sur les mêmes spécificités, on va dire. Et donc, ben, je vous dis à tout de suite pour le test VS, performance. Et après, on enchaînera débriefing, ressenti et débriefing. Allez, à tout de suite, les riders. Alors, ouais, mon poteau rider. Alors, pour répondre à ta question, ben, on va le voir de suite parce que tu m'as dit 700 watts. Laisse-moi rire. Donc, apparemment, ça, c'est pareil. C'est du 350 watts nominal. Soit 700 watts à fond, et celle-ci c'est exactement pareil, donc on va voir. Vu les pneus comme ils sont grands, les roues, comparé à la E2, tu as vu la différence de pneus? Pouah. En tubeless, ma foi. Vas-y, alors juste pour voir un peu, donc tu es tout à fond, tu es en 3? Allez, 1, 2, 3. Alors, c'est pas du 700 watts ça? Regarde comme je le fume. Voilà, 27, 28, 29, 30 km/h les gars. Wouh! Franchement, la trotte espagnole, elle envoie. Franchement, elle envoie. Tain, mais comme elle envoie cette trotte, c'est un truc de fou. Franchement, viens en accel. Viens, je te rattrape alors qu'elle marche mieux en accel. Ma foi. Ouais, t'es mort de rire gros, mais 700 watts, elle est faite à mon avis. Mais le trou. Espèce de trou. Excellent. Je la kiffe la trotte espagnole. Franchement, je la kiffe. Pas. Bon, allez, 1, 2, 3. Eh, tu as vu, elle est plus puissante. Elle se tient, mais elle est plus puissante. Oui, truc de fou. Ah, franchement, elle marche trop bien cette Outsider. 31 vitesse de pointe là, j'ai tapé. Allez, on va se faire le retour, la montée. 1, 2, 3. Voilà, un meilleur démarrage. Ah ouais, putain, mais. Ah, elle marche trop bien cette Outsider. Ah, c'est un truc de fou. Tu vois, comparé à une E2 Monster d'origine, elle marche très bien, les gars. C'est excellent. Excellent. En puissance. En puissance, elle marche, elle est plus puissante, hein, tout simplement. Hein. Et ouais, elle est vraiment 700 watts. Hein. Ouais. Enfin, 350 nominal et 700 watts maxi. Puisque c'est une 700, ça aussi. Ben, franchement, je suis vraiment surpris de la puissance de la motorisation de la Outsider. Alors, suite à ça, les gars, le ressenti, ben, je vais vous le faire de suite. Donc, là, pour ce qui est VS, tout ça, on voit bien qu'elle est quand même devant. La Outsider, donc il n'y a pas photo, pour une petite trotte comme ça, elle marche très bien.
Mon ressenti, ben franchement, il est malgré qu'il n'y ait pas d'amortisseur comparé à la Itoo. Là, il n'y a pas du tout d'amortisseur, c'est la même base qu'une Xiaomi ou une Ninebot. Mais franchement, il n'y a rien qui vibre dans le guidon, il n'y a rien qui bouge. Vu que les poignées sont vissées au guidon, ben, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est ça qui est terrible aussi dessus. Suite à ça, elle est vachement maniable parce qu'elle est toute petite, elle est vachement légère aussi, 11 kg. Hein. Franchement, c'est un régal. Mais je dirais son plus, comparé à une Xiaomi ou quoi, elle amortit quand même beaucoup mieux les trous et les bosses. Tout simplement, vous savez pourquoi? Grâce à ces pneus tubulaires en fait. Parce que les pneus tubulaires, il y a la souplesse des pneus chambre à air. Sauf que tu ne crèves pas comme des pneus en chambre à air. C'est beaucoup plus difficile à crever tout simplement. Et d'ailleurs, même si tu crèves, tu peux mettre une mèche comme sur les voitures ou les motos. C'est ça qui est terrible, les pneus en tubeless. C'est terrible. Et là, moi je dis, c'est vraiment le gros point fort de la Outsider. Parce que quand on s'aperçoit que sur des modèles à 3000 euros de chez Dualtron, on n'a même pas des pneus en tubeless, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce délire. La Trotte, je le rappelle, elle fait 350 euros, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Alors, on marche mieux. On atteint beaucoup plus vite les 30 km/h que sur une Itoo. Elle est plus puissante qu'une Itoo. Elle part mieux qu'une Itoo. Donc, franchement, pour l'instant, de toutes les petites Trottes, ben, c'est la plus puissante que j'ai testée. Et le prix, il est vraiment hallucinant pour les perfs qu'elle a, la Trotte. Alors pareil, à voir dans le temps, qu'est-ce qu'elle vaut niveau moteur et tout, la fiabilité moteur. Hein. Mais bon, je pense, apparemment, ils sont numéro 1 en Espagne. Je pense pas qu'ils doivent faire de la merde, quand même. Donc je pense que ça doit être quand même une Trotte qui tient la route au niveau moteur. Putain, mais tu vois, ouais, elle absorbe mieux quand même les trous, les chocs et tout qu'une Xiaomi. Ça, il n'y a pas photo. Pour une Trotte qui n'a aucun amortisseur, franchement, ça va, ça fait le taf. Les pneus en tubeless. Je sais même pas si c'est pas pour l'instant mon coup de cœur dans la gamme des petites Trottes. Hein. La batterie qui se change comme ça, pneus en tubeless, béquilles. Franchement, ils auraient juste mis un système d'amortisseur et là, ils auraient tout niqué le game. Là, ils auraient tout pété. Ouais, le guidon en plus est un peu plus large que la. Que la Itoo Monster. Donc la position des mains, ben limite je préfère aussi que la Itoo Monster. Le frein à disque arrière, ça c'est vraiment pas mal aussi, j'avais oublié de préciser. Petit klaxon sur le côté. On a le compteur qu'on n'a pas sur la Xiaomi. Donc on a un petit compteur digital qui est vachement lisible, qui est très bien, tout petit et très bien. Non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une excellente trottinette, tu vois, une petite dans la gamme des petites trottinettes, je trouve qu'elle est excellente. Ouais, mais stabilisateur de vitesse. Dégaine. Ouais, ben ça c'est mon ressenti sur la Outsider et je suis vraiment pas déçu les gars pour une petite trotte de cette gamme là. C'est vraiment la bombe. Vraiment. Donc je vous fais tout de suite le ressenti sur la Itoo Monster V. Ah, 53, ouais, c'est un monstre. Bon, allez, je vous fais de suite le ressenti là, vite fait. Non, je vous le fais bien. Donc voilà, après, la Itoo est vraiment pas mal. Ça reste quand même une excellente trotte. Mais bon, comparé à la Outsider, 350 euros, là, 650 euros, vous vous rendez compte, c'est la moitié du prix. Donc à voir dans le débrief, parce que c'est quand même énorme la différence de prix qu'il y a. Le guidon est plus étroit. Après, on sait que les Itoo, franchement, c'est des bonnes machines. Moi, comme je disais, mon pote, il a 4000 km avec. Elle marche impeccable, il n'a jamais eu de problème dessus. Donc, c'est quand même des trottes qu'on fait un peu leur réputation. Dans les petites gammes de trottes comme ça, elles ont fait leur réputation. Après, elle a un meilleur amorti que sur la Outsider, mais ça c'est normal, elle a des amortisseurs, l'autre elle en a pas. Et encore qu'elle récupère pas mal de points au niveau des pneus en tubulesse. Sinon on est vachement à l'aise dessus, hein. on est bien positionné, le deck est long, bon très étroit comme toutes les trottes. Ah oui, d'ailleurs j'avais oublié de vous dire, je préfère aussi le deck de la Outsider qui est légèrement un peu plus large. En longueur c'est les mêmes. Donc ça reste quand même une excellente trotte, la Itoo.
Mais franchement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, vu ce que j'ai testé, vu la puissance, l'axel, donc là, le système de freinage, c'est tu freines, tu as le frein moteur et après, il faut que tu appuies sur le garde-boue arrière pour faire un freinage d'urgence, alors que l'autre, tu as le frein arrière à disque, tout simplement, accouplé au freinage moteur. Donc ça, c'est quand même vraiment bien, tu vois, la différence. Voilà, elle se plie comme ça parce que malheureusement il n'y a pas de béquille d'origine, alors que l'autre elle a quand même une béquille d'origine, ça c'est bien. Le système de pliage c'est à peu près le même, sauf que là c'est comme la Xiaomi, tout simplement. Ben les gars, je pense vous avoir un peu tout dit. Moi je trouve que c'est vraiment mon petit coup de cœur sur les petites trottes. Et je vous dis à tout de suite pour le débriefing, les gars. Elle est quand même plus puissante, elle arrive plus vite aux 30 km/h que la Itoo. Donc gros point fort. Pneu en tubulaire, ça c'est magique. Pneu en 8 pouces et demi, donc plus grand que celle de la Itoo Monster. Franchement, mis à part les amortisseurs et encore que ça les remplace un peu avec les pneus tubulaires, comparé à une Xiaomi, je parle. Hein. Elle restera toujours moins souple qu'une Itoo. Mais je la trouve vraiment, vraiment pas dégueu, cette Outsider. Allez, je vous dis à tout de suite pour le débrief, les riders. Ciao. Bon, G, l'heure est venue du débrief. Ouais. Donc je te laisse commencer parce que j'ai commencé pour la trotte tout à l'heure. Bah écoute, j'ai été agréablement surpris par cette Tecotec Outsider. Il va falloir s'habituer à dire le nom. Parce que moi je me rends compte que comparé, déjà pour le prix il est de 350 euros. 350 euros, donc je connais bien la M365 et le Itoo, que ce soit Booster, etc. Ou même la Inbot ES2 que j'ai possédé pendant 15 jours. Ouais. Là-dessus, il y a plus de patates que sur la M365 et la Ninebot ES2. Ouais. Déjà, 700 watts n'est pas usurpé. Par rapport à la Itoo en version booster, je pense qu'elle est un petit peu devant, même, parce que sachant qu'elle a 700 watts, mais des pneus plus larges, donc c'est plus lourd à entraîner. Et on a un peu de perdition avec des gommes plus larges aussi. Donc, ouais. Les 700 watts, pour ceux qui doutaient, qui sont. De confort, moi je trouve ça, pour une petite trotte comme ça, des fois j'ai limite l'impression d'avoir un confort des grosses trottes qu'on utilise habituellement. Parce que les pneus tubeless, on n'a pas peur des aspérités pour rouler, c'est vraiment... Non, c'est top les tubeless. Que je peux dire dessus, le système ingénieux de la batterie dans la colonne est surtout amovible.